Nouveau vlog, nouveau survêt de BT, l'homme est frais, petite casquette de jameau. Et là, je vais le chercher justement. Il est chez moi. Moi, j'étais. Voilà. Est-ce que j'allais vraiment mettre mon sac comme ça, moi? Non, là, c'est interdit ça. Donc là, en fait, je vais chercher Jameau qui est chez moi. Moi, je suis chez ma belle-sœur parce que je garde avec Cap, on garde son chien et mon chien. Donc deux chiens, ça fait beaucoup. Elle nous a prêté sa maison. Et là, je vais chercher Jameau qui est chez moi. Donc moi, je vais prêter mon appartement. Il est là pour deux jours et le pauvre, il est malade. Donc là, on va aller voir, ce qu'il a et on va lui chercher des médicaments. Ensuite, on va aller à la salle. Je pense que moi, je vais m'entraîner, pas lui, mais il va venir quand même parce qu'il y a du monde qui l'attend là-bas. Il y a du monde qui savait qu'il y avait Jameau qui allait venir. Bon, ça y est, j'ai récupéré la légende. Il est là, le beau gosse. Je sais pas si c'est la légende, mais on est là. On est là, à Grenoble. J'adore Grenoble, je vais déménager ici, tu sais ça. J'arrive. Venir habiter avec moi. Ouais, mais il faut pas commencer à vous poser des questions. Il n'y a pas d'agréable. L'agréable, c'était juste une seule fois dans ma gym. On ne s'excite pas, je suis quelqu'un de marié et j'ai une petite fille qui s'appelle Aya. Je vais bouger ici, tu sais ça. Ouais. J'adore ça, moi, j'adore ça. J'aime bien la région, elle a dit. J'adore, j'adore. Baba est Californie, la Californie, je vais me casser. Malgré que vous avez tout est petit ici, mais ça ne me dérange pas. Donc on va faire les coins un petit peu. Bah oui, aujourd'hui, on va là. Donc là, on part à la salle. Ouais, je vais essayer de m'entraîner parce que je suis complètement. Ah, tu veux quand même t'entraîner? Un tout petit peu, je vais frimer un petit peu. Juste dis-moi, raconte-leur pourquoi t'étais pas bien, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. T'as pas. Bon, déjà, il arrive pas à dormir, il arrive pas à récupérer. Décalage horaire, je suis complètement. Allez, la voix. Enfin, le salon de Body Fitness, c'était la folie, je crois que. Et t'es avec la sèche, tout ça. En plus, séché, je me suis déshydraté, je me suis retrouvé avec des crampes partout. Et je voulais vraiment prendre des photos avec tout le monde parce que c'est très très important pour moi et pour mes fans. Et Alex, il a de l'expérience avec ça. Moi, j'ai pas d'expérience avec ça. Lui, il était. Ouais. Moi, je dis ok, bon, je crois que je signe. D'après ce qu'on m'a dit, c'était. Je faisais 20 selfies chaque minute pendant 8 heures. Donc, imaginez. Mais c'était super. J'ai vraiment adoré rencontrer tout le monde. Et l'année prochaine, je vais être préparé. Moi, je vais être préparé. C'était lourd, bien sûr. Vous avez sûrement vu le vlog. C'était le précédent. Ouais. Donc il y a sur la chaîne de Jameau, il y a sur notre chaîne bien sûr. Alex est parti à la banque. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup beaucoup d'argent. Hey hey, quelqu'un, hey, quelqu'un va regarder. Hey. Les gens qui conduisent comme des fous ici. Je sais qu'aux États-Unis c'est la folie, mais ici, tout est petit, tout est petit. Donc enfin, je reviens à ce que je disais. Alex, il va aller chercher sa carte. Je vais lui prendre sa carte et je vais aller faire du shopping. Je vais acheter beaucoup de protéines. Je vais acheter des merguez. Je vais acheter quoi encore? Des frites, des millefeuilles. Et quoi encore? Je vais mixer ça tout. Je vais mixer tout ça avec de la Nutella. Et je vais dire à Alex de commencer à me faire manger. Tout doucement, comme ça, ça va être très très agréable à voir pour vous, body timer. Bonjour. Il est là, Lolo le S. Il est là. Jameau est toujours là. On va rejoindre du monde à la salle. Il y a du monde. Hein. On va faire du dégueulasse. Du monde. Tu fais du sale, moi je fais du dégueulasse. Il y a du monde qui va venir. Il y a Yans qui va être là. Ouais. Il y a Dylan. Un body timer. Ah, il y a Dylan. Ouais. Ok. Il va y avoir. Brian. Brian, Cédric. Il Brian. Va y avoir Abbess. Yes. Il va y avoir Nas. Il va y avoir Nas, bien sûr. Oh. Bruno, je crois pas. Bruno le S. Wesh, Yans officiel. Yans 38400 ou officiel? Yans officiel, faut que je change le nom de ma chaîne YouTube. Allez voir, dis-moi. C'est un son qui mérite beaucoup plus de vues. Allez le voir en slip, sortir du jacuzzi, tout ça. La slip en 50 cents. La slip. La slip. 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 Fitness parquet Chirol, ma salle, on est là. J'arrive à la salle, bien sûr. Lionel est là, Lio de Gros. Il m'a vu arriver avec le survêt, il m'a dit celui-là, il sort aujourd'hui, il me le faut. Direct. Et il m'avait dit aussi, oh si Jameau il vient, envoie-moi un petit message et tout. Et c'est fait. C'est fait. Là, c'est là, vous avez Arouane aussi, soldat, il est là, mon soldat sûr. Voilà, un autre soldat est présent, Dylan, il est là, il est chaud, regardez-moi ça.
Elles sont là les épaules hein. Ça va? Ah ouais ouais ouais. C'est aujourd'hui tu vois. Ah ouais nickel. Ouais. Marche bien ton programme hein, franchement. Ouais je sais pas, tu me diras. Ouais. C'est pas mal le mec. J'aime bien. Toto et bien sûr, il y a aussi Capo. Oh ils en peuvent plus. On va vite le commander avant qu'ils soient en rupture celui-là. Il fait faim, il fait bœuf, il fait tout. Il fait... En fait il... T'as vu, il est léger. Mais il tient chaud. Non mais monte. Et si t'as chaud, il tient froid. Comment pas? En bœuf et sec à la fois. Alors même moi, que je suis cuss, regarde, je le mets à chétan. Et il y a Cappuccino qui est arrivé. Avec la petite. Salut, la petite voix. Les deux là, les deux. Vas-y, tu te crois quoi que tu sois avec ma caméra? Ouais, désolé, mais c'est l'éclairage. Ça te plaît pas? Est-ce que tu te plais plus là? Moi ça me plaît. Moi ça me plaît. Alors, je te montre ma séance. Alors, laisse-moi lire. Rowing rotation haltère. Voilà. Ça, c'est le numéro 1, 3 séries. Tirage horizontal, super. Traction, pronation. Pronation, ouais, c'est bien, c'est pronation. Tirage vertical, rotation. Et après, tu vois les élévations frontales. Ouais, avec, c'est avec le disque, ça. Ouais, complète, avec le disque jusqu'en haut. Oiseau aux haltères. Ok. Et on termine avec les 3 minutes de burpees que t'avais tant kiffé. Et s'il me fait faire une burpee maintenant, je vais mourir. It's freaking death. I will freaking die. Vous, là, vous aussi, il y avait une non, blague là. Non, on peut pas le dire. Lolo, il m'a raconté une histoire. C'est à moi. Tombe amoureux d'une fille au salon du fitness. Je fais le message. Ok. Tu sais, que je sais, que tu sais, toi et moi, ça va être danger. On n'en a pas fini. Dora l'exploratrice. Je vais congestionner un peu pour faire honneur au t-shirt que j'ai en dessous. Il y a Brian qui vient d'arriver. Ah Brian, Alex, DZ, Power. Bonjour la famille. Vas-y gros. Moi je suis prêt qu'il était pas là. Le mec il prend les 50 le mec. Il est balèze hein. Mais avant d'avoir cet ensemble, il prenait pas les 50. Non, par contre, franchement, le survêt, gros. Il est surpris sans le non. Il t'aide un peu, non, je crois, non? Ouais. Il t'aide à faire les mouvements. Allez, allez. Depuis que t'as l'ensemble, tu fais les 50. T'as vu, je faisais pas avant l'ensemble. Cet ensemble, il aide à pousser. Ça se voit d'habitude, il est au 30. Là, il a pris 50 ce matin, le mec. Bravo. On est beaucoup aujourd'hui. Hein. Et à mon cousin, Badis, qui vient d'arriver. Beaucoup. T'as Zach, la lumière elle te mettait pas en valeur. Normalement il est beau gosse hein. C'est mon cousin. Ah le cousin qui arrive. Je te présente Brian. Enchanté. Brian, Constantine. Constantinois. Ah, Constantinois. Il n'y a pas de Brian en Constantine. C'est Kane. Ah, Kane, t'as changé ton nom. La séance 3 aussi. Ah là, on est tous là. Hein. Il se demandait, mais il fait quoi ce fou? On fait ton dos. Et Cappuccino, elle fait le rowing aussi, il travaille le dos aussi. Ouais. Alors, ça c'était les épaules. Deux, voilà. Trois. Là, j'avais une butte de trois quarts. Voilà là. Allez, je suis venu au bon moment, ah, sur la bonne raie. On revient ici avec Alex, on le voit, le bois Alex, avec du rowing, avec des haltères, regardez la gueule, la casquette j'aime encore bien sûr, des haltères, il assure, je suis jaloux en ce moment, parce que je peux pas faire ça, mais regardez le bois, regardez le beau Alex en train de s'entraîner. Comment que c'était? C'était agréable. On arrête de parler. On s'entraîne ou on parle? Regardez pas ça. Allez. C'est toi avant moi, c'est toi. T'as intérêt à faire l'exercice proprement parce que tu vas être vraiment détruit si tu le fais pas. Je vais le faire propre. Tu vois. Allez. Allez, on y va. Pose-moi ça. Arrête de penser aux filles. Let's go. Come on. Alors. Toi tu vas la faire, tu vas faire ta série pour la gloire. Et pour la fille dont tu t'es tombé amoureux de elle le sait. Laura l'exploratrice. Laura l'exploratif. Allez, on y va. On y va. Ça arrive. Je vais pousser encore plus. Ah, elle est beau celui-là. Le bonheur. C'est Jamo ça. Oui mais comment Jamo? Je sais mais où. Le site il sort bientôt. Ah d'accord. Jamgordz.com.
Voilà, la vidéo est encore, normalement il est déjà en ligne. Alors sur ce mouvement là, faites très attention, restez gainé, ne pas du dos toujours plat, voire légèrement creux, restez en contraction musculaire. Voilà. Et jamais forcer sur les. D'accord. Alors, on va charger un peu, mon gros charbon en vrai là. Charge. Hein, mon gros charbonnet. Il charge le Alex. Regardez-moi cette forme impeccable. Il ramène ses omoplates ensemble. Hashtag cambré. Ah ouais. Et derrière lui, c'est la tchatche. Regardez, il est en train de parler. Au lieu de faire des pompes. Et lui, il passe tout le temps en train de penser aux filles. Yo, yo, yo. This is good. Lolo. Allez Lolo. Doucement. Lolo, tu forces pas trop là. Hein. Non, pas si. Doucement. Hein. pas en réserve. Je dors. Il est fatiguant. Allez Nas. Nas, force. Célibataire en ce moment, Badiz? Non. T'es en couple? Et ça, on a senti que le mec, c'était dangereux la question que je lui avais posée, tu sais. T'es célibataire? Non. J'ai déjà pensé en retomber. T'es célibataire? Non. Limite, il te rajoute. Et je l'aime, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, dernier exercice pour le dos. Normalement, c'était un tirage vertical avec la rotation. Mais toutes les poulies hautes sont prises. Donc, on va le faire ici en unilatéral. Un bras après l'autre. C'est pas grave, ça peut changer un petit peu. C'est parti. C'est là on fait un unilatéral, ce qui est bien avec l'unilatéral, c'est qu'on peut aller chercher un petit peu plus d'amplitude quand on le fait de deux côtés en même temps. Alors moi j'apprécie pas énormément l'unilatéral, je le fais quand même. J'apprécie pas à fond parce que c'est des longues séries. Et on peut pas garder une très grosse intensité. Toujours bien combré. Et le coude le long du corps. Ouais. On finit, on commence en pronation, on finit en supination. Et moi demain, je pars à Istanbul, vous allez voir Satan Vlog. Istanbul. Et l'amour. ABAB. Bonjour. 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 Top la couleur. Top la couleur. Top. Ça va, Badis. Son retour. Oui, il fait chaud. Séance terminée. On va chercher des sels réhydratants pour Mr. Jamo. Pour se réhydrater. Et moi, je vais chercher un cadeau pour ma petite sœur et ma grand-mère. En fait, quel âge ta petite sœur? Quel âge? Elle a 25 ans aujourd'hui. 25 ans, okay. Non, le 11 mars, elle les a eu, mais en fait, aujourd'hui. Cool. Et pour ma grand-mère aussi, 73. Bon, Jamo à grand place, c'est bon, t'as trouvé? On va se réhydrater. Et si on se réhydrate pas, on va finir où? On va quoi? Si on se réhydrate pas, on va finir peut-être à l'hôpital. J'espère. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ose pas l'enfiler après moi avec mes grosses jointures. Quoique ça devrait peut-être lui aller. Hein. Bon, je sais pas pourquoi la caméra s'est arrêtée de fonctionner, donc je continue le vlog avec le téléphone. J'espère que ça vous dérange pas trop. La qualité elle a l'air pas mal. C'est surtout le son, je crois, qui est dégueulasse. Mais bon, là on va chercher de la viande parce que ce soir Jamo il veut nous faire les Jamo Burgers. Vous allez adorer. Donc, on va à la boucherie du midi, c'est la famille à Grenoble. Et ensuite, on va aller manger en famille tranquillement. Qu'est-ce qu'il est sexy ce boucher? Ouais, t'as vu? J'étais le boucher le plus S 2015, 2016 et 2017. Ah là là, et là il devient boucher. Il va chez le boucher, il met la blouse. Le boucher de Grenoble. Ah!
aura vraiment tout vu. Cet homme, il est capable de tout. Un apprenti. Pour une première fois. Et voilà. C'est leur anniversaire à toutes les deux. Elles sont belles, hein. Ma soeur, ma grand-mère. Bien sûr, ma mère, vous la connaissez. Jasmine. Ma petite soeur aussi. Et Jamo, il est avec nous. Magnifique, j'ai jamais eu de pierre rouge encore. Pas pour toi ça, la tête des épinards. Bon, ce soir on va manger les burgers de Jamo, alors à midi low carb, gratin d'aubergine. Et là vous avez burratina, c'est le genre de mozzarella mais un peu plus crémeuse. Enfin, c'est l'heure de manger. Là tu me fais prendre une pizza. J'en ai besoin, j'ai besoin de sel en ce moment. Toute l'équipe est là. Ce soir, on a faim, on va cuisiner, enfin c'est Jamo qui cuisine. Moi je vlog toujours avec le téléphone, je sais pas pourquoi la caméra elle marche pas. Les Jamo's Burger. Les burgers. Regarde les t-shirts Body Time. J'ai payé pour le t-shirt. Hein. Bien sûr. C'était pas gratuit. Ça c'est du Tommy ça. Alex, tu veux passer pour un gros crevard, tu sais. Alex la passe. Mais. Elle est passée, donc commencez à vous en, à organiser la table. C'est le moment de déguster. Il y a Badis, mon cousin, qui nous a rejoint. Jamo, toujours au fourneau. Regardez-moi ça. C'est pas beau. La préparation pommes de terre. Comment c'est comment? C'est succulé. C'est pour ça que t'en laisses un peu dans la moustache, comme ça. C'est pour après, pour demain. C'est bon. Ah ouais? Il y a des moustaches ou pas? Ah non. Dis-moi les trucs comme ça. Si maintenant oui. Oh merde. T'en avais pas mais t'as voulu copier Lolo. Oh merde. Nas il nous regarde, il fait comme un dingue. Lui il doit filmer. C'est une bête d'arracheur. C'est une dinguerie. Excuse-moi Lolo. Oui hein. Attends. Je vais passer à la maquilleuse et je reviens. Oui. Il te manque une dent ou c'est une feuille de salade qui la cache? Bon là je suis posé avec Jamo, on va aller appeler une fan à lui, quelqu'un que je connais qui est super fan de lui, et on va lui faire une surprise, on va l'appeler en visio. Dans la vie personne ne me fait attendre. Ça va? Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah franchement ouais. Ça fait vraiment plaisir d'être... C'est beau chez vous ici, c'est beau. Elle habite ici. Ah, elle est à Nice, elle est à Nice. À Nice, Nice. Je suis à Nice. Oui, il faut venir, hein. Il faut descendre sur la côte d'Azur. Je vais venir, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Là. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est vraiment adorable, c'est très gentil. Je vous en prie avec plaisir. Bon, après ce cheat meal mémorable, franchement, c'était délicieux. On a passé une bonne soirée hier, c'était lourd. C'était super. Là, je pars à Istanbul. Je vais poser Jamo, lui il va à Lyon, un séminaire. Quatre séminaires sur Lyon. Moi je décolle à Istanbul avec PJ. Et je vous expliquerai pourquoi on va à Istanbul. Voilà. Et j'espère que tu reviendras bientôt. J'adore Kono. Je vais revenir encore plus. La prochaine fois, je vais m'entraîner avec Alex. Donc vous allez encore avoir du dégueulasse. Cette fois-ci j'étais malade, je suis vraiment désolé. Body timer. Mais on a fait un petit peu les cons. La prochaine fois, on va faire des trucs super. Restez ensemble. Suivez-les, continuez avec eux, ils font du super boulot. Et vous avez mon support. Bon, je viens de rejoindre PJ. On est à l'aéroport, on va à Istanbul. Et là, il vient de m'annoncer qu'il y a un des deux sièges qui est mieux que l'autre. Il n'y a personne devant. Celui-là, il est mieux, le 13C. Donc on va se la faire comme d'habitude. Nous, on est mecs, on joue. Je vais comme ça, les gars. Merci. Merci. On va se la faire papier qui est au ciseau. Hein. Vas-y, t'es prêt? En un coup? En un coup, sec. Papier qui est au ciseau. Papier qui est au ciseau. C'est la vague de la victoire. En fait, c'est exactement les deux mêmes sièges. J'ai niqué, j'ai cru. Ah, papier qui est au ciseau. Hein? Gagné pour rien. On est arrivé à Istanbul. Ouais. C'est quelle heure là? Je crois qu'il y a 2 heures de décalage. Ouais, c'est ça. Là, donc c'est 6h30 pour nous. Voilà, et pour la France, c'est 4h30. Mais on a quand même déjà faim, parce que c'était bon dans l'avion, mais c'était très faible. C'était même pas un apéro. Ah bah ça y est, on arrive à l'hôtel. Moi, je vous fais visiter un peu la chambre. Donc ici, bah, il y a un dressing, hein. Rien de bien fou. Mais en tout cas, la chambre est super belle. Regardez-moi la salle de bain.
Donc, vous avez la baignoire, vous avez la douche, et là vous avez le salon. Enfin, la chambre, quoi, avec le lit. Super joli. On va pas se plaindre, hein. Super bien, franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est l'heure d'aller manger. T'as la dalle? Ah ouais, de ouf. Je pète la dalle. Horaire. Eh ben bravo. C'est propre, ça. Ouais. Quesadilla, c'est une spécialité turque, non? Exactement, du sud de la Turquie. Bah, moi j'ai parlé, mais j'ai la été même. Aussi faible que lui. Calme-toi. Ou je le dégomme. Non, si tu filmes pas, je le dégomme direct. Attends que je filme. Voilà. Moi j'ai pris du kiwi. Avec un... Ils m'ont mis ça en accompagnement. Je vais juste demander le kiwi. Bon, on peut dire que j'ai plutôt bien dormi dans mon lit 8 places. Et là, c'est le moment d'aller au petit-déj. Je vais rejoindre PJ. Car nous ne sommes pas dans la même chambre. Je m'attends sur le brushing. Il est arrivé, t'as pas fait le brushing. J'ai pas eu le temps. On commence tranquillement. Bon, le petit déj était bon. La frappe. Et là, on est avec Enis. Et en fait, on est venu pourquoi à Istanbul? On est venu parce que on cherche des nouvelles usines pour faire produire les sables Bodytime et Hades. C'est ça. Et vu que la Turquie, c'est les boss au niveau du textile et surtout du coton, c'est les meilleurs au monde. Et en respectant quand même les travailleurs. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait venir voir comment ça se passait ici. Bon, bien sûr, ça prend du temps, tout prend du temps. Mais voilà, au moins vous voyez exactement, vous allez voir toutes les coulisses, comment ça se passe, comment on confectionne les produits. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné. Alors, on n'est pas des grands dessinateurs, si on retrouve les dessins, on vous les mettra. PJ, il avait fait un paint au début. On a dessiné les collections qu'on voulait faire. Ensuite, on a trouvé les tissus, enfin, on a trouvé des tissus qui correspondaient à ce qu'on voulait et on a fait des modifs, etc. On a fait ça par téléphone, par photo. Et là, on va voir les résultats, ce que ça donne, les premiers prototypes. Voilà, on ne s'attend pas à ce que ce soit parfait, mais on verra bien. Il y aura la collection de PJ, il y aura ma collection, il y aura une collection spéciale femme. Bref, on vous montre tout de toute façon. Là-bas, c'est le stade de Beşiktaş, Lyon qui va jouer contre Beşiktaş dans 2 semaines. Et Istanbul, franchement c'est magnifique comme ville. Hein. Tu me remontres ça. Quoi. Avec le truc de l'hôtel. Attends, montre pas tous les designs. Pensez, il va comprendre si je suis. Les designs, il m'a dit. Ouais, après, je suis sur le téléphone. Donc là, on est dans l'usine. Oh, ouais. On attend. On est impatient de voir. I didn't try yet. You didn't try yet. You know. Je vous montre pas tout, hein, gardez un peu de surprise. Mais c'est les prototypes. C'est pas les bonnes couleurs, mais c'est normalement les bonnes formes. Bon alors, premier que j'essaye, premier article, c'est le t-shirt sans manches. Franchement, la forme, c'est exactement ce qu'on voulait. On a juste demandé qu'il élargisse un peu le cou là. Léger, ouais. Un tout petit peu sur les côtés. Et que ça redescende d'un centimètre en plus ici. Je pense que ça fera une allure encore plus athlétique. Encore plus large, plus d'épaule. Vous allez être au top franchement, dedans. Je kiffe. Plein de petits détails, on vous montrera ça bien sûr. Bon, par contre, ça ne se porte pas avec un jean et des jeans. Quoique. Puche. Bon, c'est très compliqué, mais ça avance. On a commandé, enfin, Enis nous a commandé des kebabs. On va goûter les vrais kebabs. Merde alors, moi qui voulais manger propre. Ah, bon, pas de chance. Hein. Et ouais, c'est compliqué de, en fonction des matériaux, d'avoir les bonnes couleurs, les bonnes associations et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. C'est très dur de penser sans voir les choses. Ouais. Donc il y a beaucoup d'aller-retour. Puis on n'a pas encore parlé des prix. Merde. Ouh, ça a l'air très bon tout ça. On va se casser le ventre. So I don't confuse it. Bon, c'est l'heure de s'entraîner. Désolé, hein, je continue avec le téléphone, mais la caméra elle marche toujours pas. Et là, il y a PJ, il est venu faire des petits bruits. Donc lui, c'est jambe-épaule. C'est ça, jambe-épaule? Et moi, ça va être les pecs aujourd'hui. Heureusement, c'est ma séance la plus courte, on n'a pas beaucoup le temps. Ce soir, on a encore un rendez-vous, toujours pour le textile. T-shirt BT,
Petite casquette, jambes cordées Z, dédicace. Bon, il y a un petit problème, c'est que les haltères, ça s'arrête à 20 kg. Donc ça va être compliqué pour faire les pecs. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la pré-fatigue à la machine sur les pecs et j'enchaînerai avec les 22 en mi-couché, mi-écarté-couché. Bon, c'est parti. Je commence avec la pré-fatigue au kinésis pour les pecs. Donc c'est l'équivalent d'un écarté, hein. Astuce, petite, une bonne seconde de contraction, fin du mouvement. Et là maintenant, je prends les haltères, et on va faire un écarté. C'est bien plus lourd que 22 kilos, hein, après ça. Ah, franchement, j'ai vraiment bien senti les pecs. Donc, je vais faire une séance bien ciblée comme ça sur les pecs. Et je terminerai quand même avec peut-être un exercice de triceps. Parce que vous savez que je fais pas les bras en isolation. Mais là, étant donné que je fais deux fois de l'écarté, j'ai les triceps qui interviennent presque pas. Donc, je mettrai un exercice. Oui, j'ai fait 5 séries. Je suis congestionné les pecs à la mort. Donc là, je vais enchaîner encore 5 séries. Pourquoi j'ai fait 5 séries? Parce que je vais faire que 2 exercices différents, vu que j'ai pas énormément de choix, ni de charge. Donc ce que je vais faire là, c'est que deuxième exercice, je vais faire encore 5 séries. Et pour le deuxième exercice, je vais continuer en pré-fatigue avec le kinésis, mais avec un angle de travail différent. Et ensuite, j'enchaînerai avec de l'incliné en prise neutre serrée. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout, je suis avec le téléphone, mais je vais essayer. Bon, séance terminée, c'était pas la folie, mais c'était mieux que rien. Et c'est l'heure d'aller manger. C'est toi qui as demandé la petite bougie. 10h, j'attends, je suis mort de vieillesse. Fais de la prod. Eh ben, ça a l'air pas mal ça. Petit risotto à quoi, champignons? Champignons, ouais. Champignons, pour moi, agneau, falafel. La vue est plutôt pas mal. Le restaurant aussi. On a fini de manger. Il y a Sylvain, un Français qui est de Grenoble à la base, il parle 7 langues. Il nous a rejoint. Donc merci Nathalie qui m'a donné le contact. Donc il est dans le textile lui depuis longtemps. Il travaille avec beaucoup de marques. Depuis plus de 20 ans. Et il est venu là pour nous conseiller, pour nous donner des idées et nous dire les erreurs à pas faire et tout ça quoi. Donc merci Sylvain. Avec plaisir. Nouvelle journée à Istanbul, toujours Ennis qui est toujours là. PJ, petit déjeuner était bon? Toujours en train de bosser sur les ordi et on regarde à chaque fois, on fait les retours sur les prototypes. Elle a dit que c'était meilleur si on mangeait avec les mains. Parce que PJ, il faisait son mec avec le couteau et la fourchette. Couteau et la fourchette. En train de bosser sur le prototype, un des prototypes de brassière, c'est pas les bonnes couleurs. Ici, c'est prototype de boxeur. Donc là, vous voyez ici, c'est les patrons. En gros, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils dessinent toutes les pièces à découper. Après, ils mettent le tissu par-dessus pour avoir le minimum de pertes. Donc ici, c'est plus là où on dessine les patrons. Regardez là-bas, ils sont en train de bosser. Ici aussi. Donc tout ça, c'est pour notre collection. Bon, on est descendu. Avec PJ, on est descendu pour sortir ce soir. Aller boire un verre, manger un petit bout. Et on est tombé. Et ouais, on garde la pêche même à Istanbul. Ah là là, les mecs ils sont venus à l'hôtel, ils ont reconnu. Ouais. Ça fait plaisir les gars, merci d'être venus en tout cas. Merci à vous. Avec plaisir. Et c'est des Français. Alors, franco-turc, italien-suisse, turc. Ouais. Voilà. Ils étudient ici dans un lycée français, c'est ça? Exactement. Ouais. Vous êtes en quelle classe? Terminale. Terminale? C'est ça. Ok, bon, le bac cette année alors. Inch'Allah.
Ok, bon, merci d'être venu en tout cas, les gars. Merci. Et voilà la vue d'Istanbul la nuit. C'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez bien compte dans la vidéo, mais c'est splendide. Ah ouais, c'est vraiment classe. Bon, santé, bro. Cheers. À Jack et à Daniel. Pas de chaud, de saumon, citron et petit croustillant pour moi. Et pour moi, tartare, saumon, avocat. On est bien. Protéines, légumes. C'est quoi, c'est de l'agneau, côtelette d'agneau. Ouais, côtelette d'agneau, ouais. Et moi, j'ai pris un steak T-bone. Ben alors. On finit avec des petits fruits. Alors. Cheesecake pumpkin. Et moi? Rien du tout. Bon bah samedi matin, c'est les jambes pour moi, pec d'eau pour PJ. Donc il n'y a pas beaucoup de charge hein, dans la salle. Donc on adapte les séances. On fait comme on peut, mais on fait. Bon, la machine est chargée au max. Mais franchement, c'est léger, c'est très léger. Donc je vais partir sur un super set. Leg curl, juste à côté, leg extension, 50 reps. 50 reps, une minute de repos, 50 reps, une minute de repos, etc. Bon, après avoir fait le leg extension et le leg curl, j'ai les cuisses, elles sont congestionnées comme jamais. C'était horrible, ces longues séries là, je déteste. Et maintenant je passe squat jump. Et le soleil fait plaisir. PJ a fait la petite couette. La couette. Tout en Hadès vêtu. Ah franchement, on est bien. Istanbul, c'est de la frappe. Donc là, on va manger au calme. Et ensuite, on va aller visiter un petit peu quand même. Au calme. Au calme aussi, quoi. Tout est calme. Ça va, tout se passe bien à Istanbul. On est posé à Istanbul. Les entrées sont arrivées. Ça, c'est pour PJ. Pas mis beaucoup de fromage dessus. Et ça, c'est pour WAM. Ne nous jugez pas, c'est le cheat meal. Ne nous jugez pas, c'est le cheat meal. Ne nous jugez pas, c'est le cheat meal. C'est un amoureux du cheat meal. Le cheesecake, c'est toute ma life. Bon, c'est la fin du vlog. C'était bon séjour à Istanbul en tout cas. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment top. On se dit à très vite pour le prochain vlog et surtout d'ici là. Gardez la pêche.